compliqué. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est ici sur le Mont Caroux, encore une fois dans le Haut Languedoc. Sachant que c'est à une heure en voiture de chez moi, c'est vraiment un des endroits les plus proches de chez moi qui me dépayse vraiment. On passe de la mer globalement à un milieu montagnard. Donc en une heure de distance, je peux me retrouver là-dedans. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir cette chance. Aujourd'hui, mon but, c'est de reproduire les conseils de deux photographes que je suis et que j'admire beaucoup. Donc Thomas Eaton déjà, qui est un photographe de paysage, qui raconte aussi ses sorties sur YouTube. D'ailleurs, c'est en grande partie avec ses vidéos que j'ai eu envie aussi de faire les miennes. Qui, dans sa manière de sortir, lui, se prend pas beaucoup la tête, dans le sens où il prévoit pas énormément ses sorties. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit une rando, il regarde à peine la météo, juste pour savoir s'il va prendre un imperméable ou non. Et après, il photographie les opportunités qu'il a, du coup, qui sont beaucoup plus liées à de l'improvisation. Et donc c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et je vais essayer aussi d'appliquer les conseils que donne Simon Baxter, qui est aussi un photographe de paysage spécialisé dans la photographie de forêt. Lui, il fait énormément de ses sorties dans un but de repérage et pas réellement de photographie pure. La plupart des sorties, en tout cas, qu'il montre sur sa chaîne YouTube, c'est des sorties de repérage. Donc en fait, ce qui est pratique si on se met dans cet état d'esprit, c'est juste que on a très peu d'attentes, même pas du tout en fait, parce qu'on se dit c'est pas pour cette fois les photographies, c'est pour une prochaine fois. Donc si on en a en fait cette journée, c'est que du bonus, c'est que du plus. Donc aujourd'hui je vais essayer de suivre ces deux conseils. Donc déjà en fait j'ai décidé de venir ici juste hier, à la base je savais pas du tout quoi faire aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas faire cette rando qui me mènera peut-être à des occasions photo, peut-être pas, mais au moins ça me fait sortir. Et en plus on peut dire que pour le coup j'ai beaucoup de chance dans ma malchance qu'il pleuve. Parce que quand il pleut comme ça, c'est des conditions atmosphériques vraiment dingues à photographier, qui sont très automnales. Même si on n'a pas encore les couleurs qui sont vraiment arrivées, pour l'instant on est toujours à du vert. Quelques arbres commencent à tourner au orange, mais c'est vraiment léger pour l'instant. Donc on va voir ce que me réserve cette sortie. Je vais essayer de documenter ça au mieux avec la pluie qu'il y a, ça va être compliqué, j'ai pas trop envie de laisser mon appareil sous la pluie. Je vous reprends dès que j'ai trouvé une scène intéressante. Ça fait déjà un petit moment que je suis en train de vadrouiller. Au final, en termes de distance sur la rando, j'ai quasi rien fait parce qu'en fait, je m'arrête souvent sur les bois qui sont à côté du sentier. Pour essayer de trouver des photos à prendre, je reste ouvert sur à peu près tout. J'essaie de pas trop être influencé par ce que j'ai vu, mais malheureusement, on est toujours influencé par les photographies qu'on a beaucoup aimées. Donc j'essaie quand même d'avoir ma propre vision du truc. Donc je me fais plaisir, je prends ce qui me plaît en photo. Ça peut être vraiment personnel ou ça peut être, on va dire, inspiré de quelqu'un. Mais tant que ça me plaît, c'est l'important. J'ai aussi été à 2 secondes de filmer une brebis qui était devant moi, qui était vraiment à... Je pense que c'est la fois où j'ai été le plus proche d'une brebis. D'une biche. Une biche, c'est différent, ouais. Une brebis, c'est moins ouf. C'est la première fois que j'étais à côté d'une biche, du coup, qui était 2 mètres devant moi et en fait qui a été très surprise, qui m'a regardé avec des gros yeux et qui a commencé à détaler. Mais en tout cas, c'était une belle rencontre. Un peu déçu de ne pas l'avoir filmé, mais très content de l'avoir vu. Alors, je vous afficherai en même temps les photos que je prends qui valent la peine. Pour l'instant, au niveau de la pluie, je peux pas me permettre de faire trop de vidéos et de trop vous montrer, on va dire, les coulisses des photos que je prends. Pour l'instant, je suis dans les hêtraies. Ici, on est globalement sur de la hêtraie ou sur de la sapinière. On n'a pas trop de forêts de chênes. Nous, les forêts de chênes, c'est vraiment la garrigue. Des forêts de chênes un peu plus grandes comme à Fontainebleau, ici, il n'y a pas trop, en tout cas à ma connaissance. Donc on est vraiment là sur beaucoup, beaucoup de hêtres. Et ce qui est très beau, ce qui m'a attiré ici, c'est la petite ouverture qu'il y a juste derrière. Donc ça a été, à mon avis, comme à ma dernière sortie,
On voit que c'est des coupes humaines qui permettent de faire des éclaircies dans la forêt qui sont importantes pour la biodiversité. Et là, pour moi, d'un point de vue photographique, c'est vraiment sympa parce que ça amène un halo de lumière vraiment très douce qui illumine super bien et qui donne des belles lumières aux arbres, très douces et très diffuses. Donc on a une super ambiance aujourd'hui. C'est vraiment une mise en bouche de ce que va être l'automne. Sinon, le plan, c'est de retourner sur le sentier beaucoup plus haut là et d'aller un peu sur le plateau du Caroux, donc là où ça va être beaucoup plus minimaliste parce qu'on va sortir de la forêt. Et il faudrait aussi que je trouve un moyen, un moment pour m'arrêter manger, sachant que je mange au réchaud, ce qui était peut-être pas la meilleure idée, sachant qu'il pleut. Bon, et bien, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus violent que ce que je pensais. On a même de l'orage, enfin, on a eu quelques coups de tonnerre, dont un qui était vraiment au-dessus de moi. Et du coup, là, on a une belle averse. Là, je me suis abrité sous un arbre, même si ça abrite pas énormément. C'est déjà ça. Et du coup, je réfléchis à ce que je vais faire. Il y a une possibilité pour que j'aille m'abriter, mais c'est pas la plus proche. En soi, le plus proche, ça reste la voiture pour l'instant. Sinon, je peux aller à la cabane de Fonsalès. C'est un refuge non gardé, où j'avais fait ma vidéo refuge, qui n'est pas sur la rando que je voulais faire de base, mais qui est rejoignable par ici. Et normalement, je devrais y être en 3 km, même pas, 2 km, 5, 3 km, je crois. Mais ça me fait réfléchir, parce que quand même, il pleut beaucoup, j'ai pas envie de casser mon matériel. Sinon, là, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai trouvé, je crois, 2 ou 3 compositions que j'aimais bien. Pareil, j'ai pas pu vous les filmer parce que c'était trop intense. Dont une vraiment minimaliste, de bruyères et de fougères. Normalement, la saison des bruyères, c'est plus fin août, début septembre. Et là, il reste encore quelques bruyères en fer, ce qui m'a permis de trouver une composition assez sympa avec les fougères. Donc, en fait, tout simplement, au format 16/9, parce que ça correspondait vraiment bien à la forme des fougères. On a les fougères et on a quelques bruyères qui ont poussé au milieu. En plus, avec la pluie, la végétation est ultra saturée, donc ça peut rendre quelque chose de sympa. Bon, allez, j'y retourne. Oh là là, le coup de tonnerre que je viens d'avoir, il m'a fait un peu peur. J'en profite, la pluie s'est quasi arrêtée. J'en profite pour un peu rusher et essayer d'atteindre le refuge. Me voilà sorti de la forêt. On vient d'arriver sur le plateau qui forme au niveau du Caroux. Et du coup là on a une végétation beaucoup moins dense. On a en majorité soit de la bruyère d'un côté, soit des genêts, il me semble. On a quand même quelques hêtres parsemés, donc qui forment des choses très minimalistes. Étant donné le brouillard qu'il y a, en fait ils sont vraiment bien isolés dans le paysage. Donc je pense que je vais pouvoir faire quelques photos de ces arbres. En tout cas je vais essayer, je vais voir s'il y en a qui fonctionnent bien, qui ont des belles silhouettes. Et sinon, donc je vais continuer à aller vers le refuge, où je vais revenir dans une forêt. Cette fois-ci ça sera pas une forêt de hêtres, mais ça sera une forêt de sapins ou de pins, je sais plus, je crois que c'est des pins. Donc ça sera complètement différent, je vais avoir peut-être des compositions avec
Le brouillard, on aura pas mal de séparation entre les arbres, donc je peux encore trouver des choses. Je vais essayer de me faire à manger au refuge. Et après le refuge, je vais essayer de pousser jusqu'à la genre de crête où on a une super vue sur le haut Languedoc. Même si aujourd'hui, je pense que la vue, ça sera niette. Ça peut être sympa avec le brouillard, ça peut donner des conditions originales. Donc je veux voir ce que ça donne tout simplement. Et vu que j'ai pas particulièrement d'attente de photos, bah, moi c'est de l'expérimentation et puis je vadrouille. C'est beaucoup plus reposant aussi. Reposant dans le sens, j'ai pas d'attente d'avoir une vraie photo. Par contre, c'est vraiment pas du tout reposant au niveau de la sortie. Vu qu'il pleut et que je randonne en même temps, déjà c'est très humide à l'extérieur avec tout le brouillard. Et en plus, je randonne du coup avec que des trucs imperméables. Donc disons qu'à l'intérieur, je suis trempé de sueur. Sur le pantalon, pareil, et le t-shirt, pareil en dessous. Donc je fais de la condensation, c'est terrible. Bon bref, j'arrête de me plaindre et je vais essayer de profiter et de trouver quelques photos à faire. Je suis bien arrivé dans la forêt donc maintenant de plus de pins qui a une ambiance beaucoup plus lugubre on va dire que les hêtres. Les hêtres je trouve ça assez magique, surtout avec des conditions comme ça. Alors que les forêts de pins ou de sapins, déjà c'est beaucoup plus sombre, il y a beaucoup moins de lumière qui arrive en bas. C'est très dense et du coup dans ces conditions là ça donne quelque chose de vraiment très sombre qui fait limite un peu peur. Donc ça peut être une ambiance quand même sympa. Là j'avoue qu'il est 14h et j'ai toujours pas pu manger vu que je suis au réchaud. Il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir arriver au refuge et de manger au sec. Et après ça par contre je compte explorer du coup un petit peu les bois pour essayer de trouver des compositions qui pourraient être cool. Bon alors, avant que j'aille manger, je suis passé à côté de cette scène qui est pour moi très très belle. Donc d'abord, on a ces pierres qui mènent le regard vers les lignes, les silhouettes d'arbres juste derrière qui sont à peine visibles et il y en a un de particulièrement, qui est un peu plus visible que les autres, qui est particulièrement proéminent, c'est celui du milieu qui est vraiment très beau. C'est une scène qui est possible que grâce au brouillard, je pense. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop fouillé derrière, mais là, ça simplifie tout et ça rend une scène beaucoup plus lisible et donc pour moi beaucoup plus agréable. Donc, à mon avis, j'ai testé plusieurs cadrages, mais ce qui a l'air de mieux fonctionner, c'est donc un format carré où je prends ces trois pierres en premier plan, encadrées avec quand même un petit peu d'espace pour le laisser respirer sur les côtés. Et du coup avec cette silhouette centrée juste derrière. Donc je me suis mis au trépied à hauteur d'homme pour pouvoir voir un petit peu le gros pierrier qui est juste derrière. Et sinon au niveau des réglages, ISO 80, F9 et la vitesse, je vous la mettrai là, je sais plus de tête. Je suis resté au 10-24 avec le Fuji X-T3. Allez, je vous laisse avec la photo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De boire mon café pour vous dire du coup que j'ai bien mangé. Là je suis en train de du coup boire mon café, je laisse un peu recharger les batteries. Je préfère pas me retrouver à court si jamais j'ai une après-midi chargée.
Bon, l'après-midi risque d'être court quand même parce qu'il est déjà 15h11. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer de partir dans cette direction parce que c'est là-bas qu'on a les crêtes. De voir s'il y a des trucs sympas, de voir aussi dans les bois qui sont là si je trouve des compositions, des trucs qui sont cool. Et après, je compte du coup pas revenir par le même endroit. J'ai vu là, j'ai regardé un peu sur mon téléphone et il y a une boucle qui est possible en repartant d'ici. Donc, je vais faire l'aller-retour vers les crêtes, je reviens ici et après, je reviendrai. Jusqu'à ma voiture en faisant une boucle par un autre endroit. Donc ça peut être cool, au moins ça me fera visiter une nouvelle rando et possiblement des nouvelles compositions. Je peux vous dire que ça fait du bien de ne plus être sous la pluie, de commencer à sécher. Là je commence à sécher même si mon t-shirt est un peu mouillé. Heureusement qu'il y a ce refuge. Bon allez, je vous laisse, je vais boire mon café. Alors, je suis allé sur le côté dégagé au niveau des crêtes et malheureusement le brouillard est tellement intense qu'au final il n'y a pas grand intérêt à aller là-bas. Comme ça je suis sûr, au moins j'ai vu une ancienne composition que j'avais fait. Elle est dans le calendrier, c'est le mois de mars. Donc j'ai revu cet arbre qui était très beau, qui cette fois-ci a des feuilles. Mais par contre il y avait la vue qui était complètement bouchée, donc il y avait beaucoup moins d'intérêt à le photographier. Donc au final là je suis revenu, je reviens vers le refuge. Et en passant du coup de l'endroit dégagé au refuge, on retourne dans la forêt. Et ici on a une forêt vraiment très très belle, qui fait beaucoup penser à au parc national américain Redwood National Park. Là dans l'ambiance et dans ce que je vois, ça me rappelle beaucoup de photos que j'ai pu voir d'autres photographes là-bas. Là je trouve que les pins derrière moi, les troncs, ont une couleur vraiment très très belle entre le brouillard, la lumière très diffuse et le fait qu'ils soient trempés. Donc j'essaie de photographier ça et après j'ai trouvé une photo qui est un peu classique, on va dire. J'ai jamais eu les conditions ou alors je les ai jamais vues moi. Donc en fait tout simplement c'est une photo qui va être probablement au 16/9 parce que c'est vraiment une photo en longueur avec des troncs dans la composition, les troncs du coup de pin qui sont alignés d'une certaine façon, d'une façon pour moi harmonieuse. Donc cette photo, elle a été prise avec le 35 mm. Pourquoi le 35 mm? Parce que ça me permet de compresser les arbres et d'éviter d'avoir une trop grosse profondeur de champ. J'ai plus envie que la profondeur de champ, elle se fasse par la lumière ou par tout simplement le brouillard que par un grand angle ou quoi que ce soit. Donc en fait, avec le 35 mm, ça vient un petit peu compresser et ça me permet aussi d'éliminer beaucoup de distractions, donc entre autres le ciel, le sol, des choses comme ça, ce qui permet de rendre la photo beaucoup plus simple à lire. Et là, pour le coup, sur cette photo, donc on a les pins qui sont mon sujet principal et ils sont sublimés par les fougères qu'on a au sol. On a de très belles fougères en ce moment qui sont encore très vertes, qui vont petit à petit tomber à l'orange avec l'automne. Donc pourquoi pas revenir photographier cette photo, cette composition à l'automne. Ça, je verrai plus tard. Et là, sur ce genre de composition, ce qui est important, c'est vraiment le placement. Au début, quand je suis arrivé, j'étais vraiment assez proche. Et puis petit à petit, je me suis reculé. J'ai changé mon cadrage, j'ai changé mes alignements d'arbres parce que seulement quelques centimètres peuvent faire la différence du coup avec des arbres harmonieux et des arbres qui se croisent trop, qui sont trop fouillis. Donc là, c'est vraiment le placement qui est important. Je vais encore le prendre en photo et essayer peut-être d'autres positions pour être sûr d'en avoir une qui me convient. Et je vous laisserai celle que je préfère du coup à la fin de mon blabla. Allez, à tout à l'heure. Bon alors j'avais pas vu l'heure, il est presque 5h,
Vu que je connais pas trop la rando et que le soleil se couche vers 19h, disons que je préfère me dépêcher un peu. Donc je vais un petit peu moins filmer et peut-être un peu moins m'arrêter pour faire des photos. On verra, hein. Si j'ai un gros coup de cœur, c'est sûr que je pourrais pas résister à ne pas m'arrêter. Du coup, je pense que je vais pouvoir finir la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était super agréable de sortir toute une journée, de me concentrer vraiment sur la vidéo et trouver d'éventuelles photos pour plus tard. Je pense que j'ai trouvé quelques trucs sympas. À voir, j'y retournerai peut-être du coup, si c'est concluant sur l'ordinateur. Bref, d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao.